Salut à tous, on est en live. Donc pile 30, je vais pas parler fort parce qu'on est le soir. Et là tout le monde dort. Et il y en a qui travaillent demain, moi non, je suis en week-end, mais bon. Enfin week-end, c'est un jour férié. Donc j'ai fait un petit live nocturne parce que j'ai énormément de produits. Et que du coup demain, je préfère faire les déballages et utiliser le temps que j'ai ce soir pour faire les lives. Parce qu'il faut d'abord que je fasse le live avant de faire les déballages. Donc salut, alors je sais pas très exactement qui c'est, alors faut slider d'un côté, voilà. Salut François. Salut François pour cette heure tardive, pour l'instant on n'est que deux. Si on fait live à deux, c'est rigolo. Donc voilà, d'habitude je monte pas ma tête, mais là on a pris l'habitude. Hein? On a pris l'habitude, je vais reculer un peu. Alors je sais pas si je fais un live ou après je me changerai la caméra. Et du coup je mettrai les produits, je les montrerai mieux avec l'autre côté. Donc pour l'instant François t'es tout seul, donc tu as l'exclusivité, je t'écoute. Est-ce que tu m'entends déjà? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Alors je sais pas si à 10h30 du soir j'ai réservé le Hokitel WC. Ah c'est toi qui l'as réservé, d'accord. Ben écoute, il est où? Il est où? Attends, là, je vais prendre mon deuxième téléphone. Mais comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumé, je vais te dire si il a été expédié ou pas. Alors, AliExpress. Une personne. Oui, le son est un peu faible, mais ça vient peut-être de moi et l'image est top. Ben, le son un peu faible, c'est que je parle pas très fort et je parle un peu loin du téléphone. Et surtout, j'ai pris le Oppo pour faire cette vidéo parce que en Wi-Fi c'est un peu compliqué là. Il y a personne, il y a personne. Alors, les commandes, mes commandes, mes commandes. Alors, le WP5, il n'a pas été envoyé encore. WP5 Pro, pas encore envoyé. Bon, je me rappelle du téléphone, tu auras ma tête en gros plan. Mais sinon, j'ai pas de micro sur moi, c'est le son du téléphone. Écoute, pour l'instant, il n'y a personne. J'aurais peut-être dû le faire demain. J'ai prévenu peut-être un peu tard. Voilà, c'est... C'est une séance privée. Ah, ça y est, trois personnes. Trois personnes. Ça arrive, ça arrive. Alors, qui c'est qu'il y a? Salut, Emmanuel League. Geoffrey Bailey, salut. Trois personnes. Je me suis dit au moment, je me suis dit, je vais finir tout seul. Je vais le faire tout seul. En privé. J'ai non. Au moins qu'on soit au moins minimum 4 ou 5. Ah. Une quatrième personne en direct. Qui c'est qui est la quatrième personne? Oups, ça bouge un peu. Désolé, ce sera vraiment. L'image est impeccable. Ouais, je filme. Je me suis mis avec la puce Bouygues. J'ai la puce avec le réseau Bouygues. Donc, je suis pas en Wi-Fi. Donc, du coup, ça marche bien. On va se mettre comme ça. Donc, là, pour l'instant, tu vois ma tronche. Mais après, je vais mettre l'autre côté. Et on va regarder. On va faire les déballages ensemble. Romain Poncet. Voilà. Voilà le quatrième, Romain Poncet. Alors je vais faire, je vais mettre sur le groupe que je suis en live. Salut Romain, salut, toujours présent. Romain, toujours présent, quoi qu'il heure, quoi qu'il se passe. Est-ce que tous les quatre, vous avez reçu mon mail pour dire qu'il y avait le live? Alors je l'ai envoyé un peu tard, je l'ai envoyé il y a 40 minutes. Ça s'est fait un peu au dernier moment. Mais comme j'ai dit, j'ai beaucoup de colis. Et demain, j'aimerais commencer les déballages parce que c'est férié. Et si je fais le live demain après-midi, j'ai pas envie de passer l'après-midi à faire le déballage, je sais que je vais aller à la plage. Et du coup, je vais être débordé pour le reste de la semaine. Comme ça, là, je fais le live. Et au moins, j'ai tout ouvert. Et demain, je pourrai faire les déballages tranquillement. On va appeler Jérôme en direct. Ah, il n'a pas reçu mon message. On appelle Jérôme. Pour l'instant,
rester en 4. Après, si ça reste à 4, on restera à 4. Hein. C'est pas grave, les gens regarderont en différé. Hein. Je peux comprendre qu'il y a tout le monde qui n'est pas disponible à 10h30 du soir. Ça peut faire tard pour chacun. Après, peut-être que tu n'auras pas tout le monde demain matin non plus ou demain après-midi. Bon, c'est pas grave. On va faire ça à 4. C'est parti. Faut mieux 4 que personne. Donc je vais tourner la caméra. On va commencer les déballages. C'est parti. Donc ça va bouger un peu le temps que je la stabilise. Je suis désolé. Donc l'image, vous m'avez dit, elle est bonne. Le son, il est plutôt pas mal. Ah! Vous avez disparu. Hop! Vous avez quoi? Il y a quoi en bas? Il y a mes pieds. Voilà. Elle a complètement disparu. Alors comment on fait pour tourner ça? On va monter un peu le trépied. Hop, un trépied TNB à 10 euros qui fera très bien, qui fait très bien son affaire. Ça bouge un peu. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas mal de produits à vous montrer. Ah, j'en ai perdu un. Voilà. Alors, il a pas aimé mes pieds, il est parti. Ah, ça y est, il est revenu. Allez, on va commencer. On va commencer pour le premier produit. Alors, il est déjà déballé parce qu'en fait, ben, je l'ai déjà déballé parce que je savais pas que j'allais les recevoir. Heureusement, j'ai un short. Mais tu sais que j'allais. Non, j'allais pas le faire à poil. Mais au début, je me suis dit, je vais mettre un t-shirt et je vais rester en caleçon. Je suis rentré du travail à 9h30. Je suis rentré du travail à 9h30. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire ça. Oui, j'ai mis un short. Et j'ai bien fait, hein, parce que là, j'aurais été en caleçon, ça aurait été marrant. En plus, en live. Oh, 6 personnes. Yvon. Yvon qui n'était pas là pour le live avec Jérôme et qui est là à 10h30 du soir. Yvon est un nocturne. Salut, salut Yvon. J'ai reçu le mail, Yvon, d'envoi du Doogie X95. Et du coup, ben, je vais en recevoir aussi de la part de Doogie. Du coup, ben voilà, j'en aurai deux. Ben, après, ça partira à la vente. Hein. Mais j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Là. Parce que pour le prix. Ah oui, en fait, Yvon, j'ai pris aujourd'hui, je sais pas si t'as vu sur AliExpress, il y a le. Lequel? Le Kubo? Non, Oukitel? Lequel j'ai pris tout à l'heure? Là, il y a une vente flash aujourd'hui sur AliExpress. Ou sinon, on se le refile. Hein. Je te le passerai après. Alors j'ai acheté le Oukitel C19 en vente flash. Il fait 54 euros. Et j'ai un code promo de 7 euros. Il m'a coûté 5, 47 euros le Oukitel C19. Tu vois, record battu. Là, je te montre. Hein. Je vais te montrer. Bon, le temps qu'il charge. Alors là, on va commencer vite fait par les derniers. Ok, le C19 Pro. Ouais, le C19 Pro. Mais là, j'ai mon. Je sais pas pourquoi. Bon, il veut pas afficher. Ah voilà, ça y est. Regarde, hop. Oukitel C19. Non, C19. Alors actuellement, le Oukitel C19, il est à 54 euros. Et j'ai utilisé un code qui m'a fait 7 euros de moins. J'ai payé 47,25. Voilà, un petit téléphone qui normalement est déjà normalement vendu. Enfin, ça se vend facilement 50 euros à mon travail, mais assez facile. Salut, l'encart. Donc on est 7. Oh, j'ai cru qu'au début que j'allais tout seul. En privé avec François, ça aurait été un honneur. Mais plus on est, mieux c'est. Donc, est-ce que l'heure tardive vous dérange pas trop? Ah, est-ce que là, à mon avis, vous avez dit à votre femme, écoute, chérie, on arrête le film, tu vas te coucher, j'ai live. Et là, j'ai beaucoup de trucs. Dommage qu'il n'y a pas Jérôme. J'aurais aimé inviter Jérôme et être en duel split avec Jérôme. Je sais pas ce qu'il fout. Live ce soir. Il a même pas reçu mes messages. C'est dommage. Tant pis. Ça aurait été magnifique. Un live privé? Peut-être que je ferai ça par la suite. Mais bon, du coup, il y a beaucoup moins d'intérêt. Allez, on va ouvrir ça. Je sais que ça, c'est pas ce qui est pas ce qui vous intéresse le plus. Alors, ce produit-là, il est envoyé par OK. Je vais les garder. Enfin, je vais les garder. Ils seront à la vente par la suite. C'est grâce au Café du Geek. En fait, mon contact avec OK que j'avais. Ah, peut-être on va faire autre chose. On va tourner peut-être là. C'est peut-être là avec la lumière. Voilà. Le contact avec. L'image est bonne? Il y a. Oui, t'as deux, trois modèles qui m'intéressent. Ça aurait été magnifique. Nanana. Non, nickel. Donc du coup, j'avais un contact avec OK qui m'envoyait tous les produits et du coup, ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. J'ai vachement. Avec le Oppo, j'ai vachement plus de. Vous voyez? Regardez. Avec le Oppo, j'arrive à filmer de là tout mon bureau, quoi. Alors qu'avec le Samsung, l'angle de vision, il est comme ça. Pourtant, j'ai pas de grand angle, c'est Facebook. Nickel pour l'heure. Mais écoute, si ça vous convient, 10h30, on fera des nocturnes. Et je suis pas payé plus cher. Hein. Donc, j'étais en contact avec OK. Et le mec a changé de boîte. Salut Elvire. Il a changé de boîte. Et donc, du coup, là,
Le Café du Geek a re-signé un partenariat avec eux et ils me demandaient si je pouvais m'envoyer des produits. J'ai dit ok. Mais j'ai dit est-ce que je le garde? Et donc ça, je le garde. Bon, ça, c'est difficile à revendre, surtout avec le Covid, des petits écouteurs. Donc c'est leurs derniers écouteurs. Alors vous le savez, les écouteurs, j'essaie de faire au mieux. Je suis pas un pro du son, j'ai pas une oreille super, super développée. J'essaie de faire au mieux l'autonomie et tout, vous dire si j'ai bien aimé et tout, comment ils marchent. Comme d'habitude, après, je pense que c'est bon. Hein. Ils ont l'air plutôt sympa. Là, je vois Elvire qui. Salut, salut Elvire. Je me doute qu'Elvire, ça va t'intéresser, cela, hein? Les petits hockey là, plutôt sympathiques. Elvire m'achète tous les écouteurs. Je sais pas ce qu'elle en fait, elle en fait des colliers. Elvire, tu fais des colliers avec les écouteurs. Voilà. Donc, alors dans la boîte, on s'en fout un peu. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les téléphones. 8 en live. Alors là, on commence. Allez, on commence avec le premier. Donc, c'est un téléphone qui vient. Alors, pour une fois, c'est le premier partenariat que j'ai avec cette marque-là. Et là, du coup, j'ai pas eu besoin de l'acheter celui-là. J'ai pas eu besoin de l'acheter. Ça fait plaisir. C'est un peu un juste retour des choses avec tous les investissements qu'on fait pour réussir. Donc, le Kubo P40. C'est exactement la même boîte que le Kubo à 50 euros que j'ai reçu. Ah non, c'était le premier, le Kubo King Kong SC. D'ailleurs, le Kubo King Kong SC, j'ai fait que le déballage. J'ai pas fait le test. J'ai pas fait le test. C'est un téléphone 4G qui, avec un 6580, qui date de l'an 2000. Et du coup, ben, voilà, j'ai tellement de produits que je me suis dit bon. Tu kiffes les écouteurs? Ben écoute, laisse-moi les tester et puis tu sais quoi faire après. Hein. D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, Yvon, ton colis est prêt. Donc, tu m'as pris le Hukitel C18. Il est prêt à partir un mercredi et je t'ai fait un gros carton comme prévu, comme je t'avais dit. Je t'ai fait un gros carton et tu verras. Surprise, surprise. Donc, ça, c'est pour Yvon et Elvire, pareil, ton colis est prêt. Donc voilà, les deux téléphones plus les écouteurs, ils partiront mercredi aussi. Donc les deux, ce sera du Mondial Relais, bien sûr, comme d'habitude. Alors ce Kubo P40. Donc moi, je vais pas les allumer. Je préfère les garder pour le déballage vraiment. Je vais pas enlever tout ça. Je préfère garder. On va vraiment voir le design et le contenu de la boîte. Après, je vais entaquer les déballages ou ce soir, tant qu'à faire. Ah ben tiens, dès que je vais vous laisser, dès que je vais partir avec vous, je vais faire les déballages. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. La télé, j'ai pas pu. La télé est occupée. Kubo P40. Oh, regardez. Ah, oh, ça c'est beau, ça. Ça fait, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et ouais, c'est le Kubo Note 20 avait pareil et ils ont fait pareil sur leur milieu de gamme. Est-ce que le nouveau, le X30, ce sera pareil? Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, batterie amovible, coque amovible, 4 appareils photo. Il est joli. Ce P40 est joli. Très, très joli. Et d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas encore. Alors, Kubo P40, merci Seb. Ouais, Yvon, tu verras, surprise, surprise. Et Elvire, c'est prêt. Donc, d'ailleurs, attends, je regarde un truc. Non, ça, c'est mon frère. Le P40 n'a pas été réservé. Il n'a pas été réservé encore. Il loue le drive. Alors, c'est où ça? Je sais plus. À moins que je dise des bêtises, je vais aller vérifier quand même. Alors, on a un écran 6.2. Il a l'air joli, hein? Il a un design un peu particulier. Mais franchement, il est de toute beauté. Avec le jack, il a arrondi sur les côtés là. Je sais pas si vous voyez bien, mais 428. Appareil photo, non, franchement, batterie de 4200, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, il est plutôt joli. Ouais. Et du coup, on va aller voir un truc. Ils sont où la liste? Je sais même pas si je l'ai mis dans la liste. Ouais, batterie amovible, c'est top. Ça se fait plus, mais apparemment, j'ai entendu parler qu'ils cherchaient à faire comme ça pour tous les téléphones. Et là, franchement, Kubo, ils ont commencé à faire la tendance. Par contre, il y a un film posé sur l'appareil photo qui est vachement mal mis. Il est bien protégé en tout cas. Franchement là-dessus, bravo. Ah, non, le Kubo P40 est toujours dispo. Là-dessus, il est toujours dispo. Donc c'est bien. On va aller voir. On va aller voir.
Alors, combien coûte ce Cubo P40? Je l'ai pas vu celui-là. Salut, 10 en stock. Allume un peu voir. Je vais faire le déballage derrière en fait. Je vais faire les. J'ai pas trop envie de les allumer et je préfère les garder pour le déballage. Donc après, je vous réserverai. Donc là, vous avez le premier aperçu. Donc ça vous permet d'avoir un live privé. Je préfère garder les déballages pour après. Et je les ferai dans la foulée. Peut-être ce soir, je vais en faire 3-4 pour avancer. Alors, le Cubo P40, sur le site officiel Cubo, il fait actuellement 86 euros. Donc c'est plutôt pas mal. On l'a mis à 70. Voilà, prix de base. 86, c'est normalement, il reste 2 ou 3 jours. Là, vous avez pu voir, allez, au Kitel que j'ai fait ce matin. Ah non, vous n'avez pas vu encore. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait 3 tests ce matin. Un test ce matin, 2 tests, un hier soir et un hier après-midi. Les vidéos sont en ligne, je vous envoie le lien juste après. J'ai oublié complètement. Donc, magnifique ce Cubo P40. Voilà. Franchement, il a l'air vraiment joli. Donc, je l'ai mis à prix d'appel 70 euros pour ceux que ça intéresse. C'est réservé aux tipeurs en priorité. Salut Seb, salut Ludo. Alors Yika, je le veux. Bah Elvire, tu les veux tous. C'est vrai qu'il est plutôt joli. Il peut être envoyé sous combien de temps le P40? Alors, là, vous allez voir, j'ai beaucoup de produits qui arrivent. Et je sais plus comment je vais gérer ça. D'ailleurs, là, en priorité, j'ai un Redmi 9 qui arrive mercredi, qu'il faut que je commence de suite parce que c'est. Je l'ai acheté en fait, on me l'a. C'est un mec du travail, il me passe tous par mois pour commander, vu qu'ils n'y connaissent rien. Et en fait, je leur ai pris deux Redmi 9 sur Amazon, parce que j'ai trouvé le prix 118 euros un Redmi 9 en Prime sur Amazon. J'ai trouvé ça plutôt excellent comme prix. Du coup, je l'ai acheté. Et je reçois mercredi et j'en garde un pour faire le test. Du coup, je vais commencer en priorité par les. Ah là 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 là! Je vais commencer en priorité par le Redmi 9. Et par contre, tous les téléphones que vous allez réserver, je les ferai en priorité. Mais il faudra peut-être être patient. J'ai 16 ou 17 produits à faire. Il faudra vraiment être patient. Alors, je vais le faire aussi. Il sera moi aussi à vendre. Voilà, donc Yvon, il va faire le P40. Il a dû le commander en même temps que moi. Donc, il sera à vendre par la suite. Donc, allez voir sa chaîne. Il mérite des abonnés. Il est plutôt sympathique. Le P40 au même prix. Bon, voilà. Tu le vendras aux 10-70 euros. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est pas un problème. Il y a largement pour deux. Regardez-moi. Ce gros colis, ouais, il est vachement compétitif pour le prix. Alors ça, c'est toujours super bien emballé. Donc j'ai réalisé, comme je l'ai dit, les trois tests que j'ai pris des téléphones que j'ai pris en vacances avec moi, le Cubo Note 20, l'Okitel C18 et le Elephone E10. Les vidéos sont prêtes. Là, je suis en train de faire le montage du E10. Demain matin, vous en aurez une à 8 h, mardi matin une autre et mercredi matin une autre. Bien sûr, après je vais enchaîner avec tous les déballages qui arrivent. Eh bien, dis donc, on ne pourra pas le voler celui-là. Ça, au moins, ça peut dire que l'emballage, c'est pas de la merde. Alors. Eh ben, je suis désolé, je vais hors caméra parce que j'y arrive vraiment pas. Je me bats avec le papier, c'est infernal. Oui, 17 et 14 pour Jérôme. On va dire que les vacances m'ont mis en retard. Si vous entendez ma femme m'insulter derrière, c'est que je l'ai réveillée, elle travaille demain. Et quand elle dort, elle est très très méchante. Non, sérieux, le premier qui me dit que les emballages de trading,
C'est de la merde. Franchement, c'est qu'il a jamais commandé. Il a trois emballages. Le mec, il veut l'ouvrir pour le voler. Il n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ah, ça y est. Deux chargeurs. Deux chargeurs qui veulent dire deux smartphones qui ne sont pas en version française. Deux type C. Pour celui-là qui veut du papier bulle, j'ai le stocker. Ouf, c'était. Et tu sais, vous savez quoi? J'ai trois colis pareils à faire. Les trois mêmes colis. Du coup, je pense que. Et j'aurais mérité une bonne douche parce que en fait j'ai dû fermer la porte. Du coup la clim, eh ben, elle n'en voit plus rien. Salut. Désolé. Oui, je parle à voix basse parce qu'elle dort en bas. Et si je la réveille alors que qu'elle dort, je me fais insulter dans tous les noms. Du coup, je parle doucement, j'essaie de parler près du téléphone quand même. Alors. Je comprends pourquoi tu parles à voix basse. Voilà, t'inquiète, elle va pas se réveiller. Ouais, faut mieux pas qu'elle se réveille, sinon je vais passer un mauvais quart d'heure. Salut Jérôme. Eh ben Jérôme, t'es en retard. Hein. Jérôme, tu veux que je t'invite en doublon? Je sais pas, on peut essayer si ça marche. Salut Jérôme, tu tousses, tu as pris froid? Non, c'est juste que je suis en train de mourir de chaud avec les deux lampes et que je suis enfermé dans ma chambre et qu'il n'y a pas de la clim du coup parce que la porte est fermée. Salut Jay. Alors, est-ce qu'on peut inviter Jérôme? Est-ce que ça marche? Ah, je peux pas. Je peux pas. Peut-être que tu peux t'inviter toi-même, je sais pas. Mais moi, je peux pas. Bon, c'est pas grave, on continue. Jérôme est parmi nous. Ah oui, le 30 Honor 30 Pro, donc. Le Honor 30 Pro, qui est la déclinaison moins chère du 30 Pro Plus. Téléphone qui est vendu pas trop cher, hein, moins de 500 euros sur Trading Shenzhen. Et ce qui fait, franchement, ils ont baissé leur prix, Huawei, parce que bon, ils voient bien qu'il y a un petit souci avec les Google Play qu'on peut pas mettre. Et du coup, ils ont baissé leur prix, je trouve. Et là, on a un téléphone qui est magnifique, si on accepte les deux trous dans l'écran. Mais au moins, tu es sûr, tu le reconnais. Tu sais que c'est un autre Honor 30 Pro quand tu le vois. Alors, les différences avec l'autre. Alors, comme je vous dis, je vais pas les allumer. Il est l'arrière. Pourquoi tu peux pas? Je sais pas. En fait, je clique sur le petit bouton. Ajouter des spectateurs à votre diffusion. Je peux ajouter Yvon, je peux ajouter Romain. Et en fait, je peux ajouter juste les gens qui sont là, mais toi, je peux pas. Je peux pas, il n'y a pas le bouton ajouter. Je sais pas, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc, les différences avec le 30 Pro Plus normal, c'est la charge rapide inversée, la charge sans fil. Il y a un appareil photo un peu moins bien. Et l'écran, il fait que 60 Hz. Bon, ça, c'est vraiment bizarre. Ah, regardez. Ah, ça, c'est dommage. Le film, il a été mis comme une merde. C'est dommage parce que c'est un film qui est préposé dessus. Je vais essayer de l'enlever avec une carte bleue. Donc, le Honor 30 Pro. Donc, le Pro Plus, il a été vendu aujourd'hui. Le Pro est toujours dispo. Normalement, on devrait le vendre. On ne devrait pas le garder. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si vraiment je tombe amoureux, c'est possible que je le garde. Donc, comme je vous dis, je ne vais pas les allumer. Bon, je sais que Jérôme le fait. Là, je préfère à l'arrière. Ouais, l'arrière, il claque. Je préfère, vu que je vais enchaîner derrière jusqu'à 2 h du matin avec les déballages. Au moins, je suis tranquille demain. Je préfère les allumer pour le déballage. Le Vivo X50. Alors Jérôme a reçu le Pro. On alterne un peu. Jérôme, je lui laisse toujours les Pros. Voilà. Comme ça, il ne boude pas. Je lui laisse les versions Pro. Comme ça, le jour où je veux un téléphone bien, je peux le prendre pour moi. Alors. Ouais, alors, l'arrière avec la cadence, oui, il est magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Salut l'école Pro Plus. Dommage pour. Ben, en fait, c'est bizarre parce que c'est le même écran. Sauf qu'apparemment, alors c'est à vérifier. Apparemment, tu n'aurais pas le 60 Hz. Tu aurais que le 4, tu aurais le 60 Hz, mais pas le 90 qui est réservé au Pro Plus. Je trouve ça débile. Surtout que si c'est le même écran, ça veut dire qu'ils ont bridé le téléphone intentionnellement pour vendre le plus.
N'importe quoi. Donc en attendant de voir, peut-être qu'avec une mise à jour, je sais pas. Donc ça, c'est le Vivo X50 normal. Un téléphone, alors les deux sont en version chinoise. Le Honor, il a toutes les bandes, il est full band. Lui, il manque la B20, la B28. Chez moi, pas de problème. Même sans B20, je capte bien. Alors, il est différent du. Je kiffe pas l'Honor à l'arrière, en gros. Bah après, chacun les goûts, hein. Les goûts, les couleurs. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes pas. Est-ce que t'aimes bien celui-là? Il est beau, lui. Hein. Ah, lui, il est magnifique. Donc, c'est le modèle normal avec le petit poinçon dans l'écran. On n'a pas d'écran Edge. On a un écran plat, mais on a vraiment un très joli téléphone. Je fais, mais tu mets pas les filtres chinois sur ta tête. Ben, j'ai pas ma tête. Alors ma tête, je l'ai montré en début de live. J'ai montré ma tête en entendant du monde. Et voilà. Et là, il n'y a pas ma tête. Parce que si on veut voir les téléphones, ma tête, c'est pas compliqué. C'est trop compliqué plutôt. Voilà. On a tapé un bon délire quand même. Et franchement, ces moments-là, ça a été un délire. J'étais en train de pleurer tellement je rigolais. C'était vraiment sympa. Oui, il est magnifique. Alors, le Honor, le Vivo, deux téléphones magnifiques. Allez. Alors là, j'ai un autre colis trading, ce qui veut dire que je vais mettre encore 5 minutes pour l'ouvrir, hein, comme le premier. Du coup, ben, je vous fais une petite pause publicitaire et je vais aller l'ouvrir. Je vais l'essayer du coup. Oh, Jérôme, c'est infernal ces colis à ouvrir. C'est infernal. En live, tu perds au moins 5 minutes. Alors là, la surprise, c'est qu'il y a un carton à l'intérieur du colis. Il y a trois épaisseurs et un carton à l'intérieur. C'est la surprise du chef. J'espère pas qu'elle va gueuler. C'est fini pour le live, c'est fini pour moi. Non, elle est très gentille la journée, mais le soir, faut pas la réveiller. Alors, j'ai eu un premier emballage, j'ai eu un deuxième emballage, et du coup, j'ai le troisième emballage. En fait, quand tu payes les frais de port, tu payes les emballages. Le chihuahua, il fait dodo là. Si je réveille le chihuahua, je dois réveiller ma femme. Et si je réveille ma femme, ben je réveille le chihuahua. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et après, le chihuahua, il dort plus. Donc, il va faire chier ma femme. Et après, je me fais défoncer. C'est pareil. Donc, j'ai sorti les deux. Donc, là, on a les Huawei Nova. Alors, Nova. Ça a été un peu commercialisé en France, mais c'est plutôt réservé à l'Inde, et à la Chine. Alors je sais pas si c'est plus à l'Inde, plus à la Chine. Donc on a le Nova 7 et Nova 7 Pro. Vous allez voir, le Nova 7 Pro, il est plutôt magnifique. Suis en train de transpirer à grosses gouttes. Je vais sentir une bonne odeur de transpiration, ça va être magnifique. Alors déjà on voit que la boîte, ça fait plus plastique. Hein. On est loin de la boîte du Honor 30. Et même le téléphone, il fait. Bon, c'est le téléphone Innova. Alors, les deux sont dispo à la vente. Ils sont pas chers. C'est vrai que c'est des rapports prix plutôt intéressants, la gamme Nova. Mais on voit bien que la qualité de finition n'est pas la même. Hein. Donc là, on a un petit poinçon sur l'écran. Il est super léger. Je me demande s'il y a la batterie à l'intérieur. Plutôt simple à l'arrière. Ah, j'ai entendu ma femme tousser. Est-ce qu'elle va monter, mettre fin au live? Donc le Nova 7.
Ils sont tous les deux en 60 Hz, je crois. Lenovo, je sais pas. Lenovo, je sais pas. J'ai pas. On s'est pas trop penché encore sur la fiche technique. Et le Nova 7 Pro, c'est un peu comme l'Honor 30 Pro. C'est presque le même. On a la petite caméra périscope là. L'arrière argenté est franchement super joli. Et on a l'écran incurvé, comme sur les Honor 30. Alors, j'ai comparé, parce que je me suis dit, je vais pas prendre le Nova 7 Pro et le Honor 30, c'est les mêmes. Non, ils diffèrent. Ils diffèrent. Il est plus léger et plus fin, le Nova. Il n'a pas les mêmes puces et les mêmes caractéristiques. Voilà. Le 7 Pro, ouais, il est magnifique. C'est les téléphones qui sont, comme je vous l'ai dit, disponibles pour les tipeurs. Mais je me doute bien qu'au bout d'un moment, il n'y a pas 1 million de tipeurs avec tous les produits qu'on reçoit. Et il commence à manquer un peu des sous, même vous avez, je ne sais pas combien de téléphones. Voilà. C'est du plastique, la coque. Ils doivent bien prendre les traces de doigts. Ouais, ça a l'air. Ma fille a fait waouh, il est trop beau. Ah, tu regardes le live en direct. Ben, salut à ta fille. Ouais, il est beau. Le 7 Pro, il est magnifique. Allez. Le dernier. Ah, il est rose. Et ça, ta fille, elle va vraiment adorer, je pense. Et d'ailleurs, moi aussi. Alors, j'ai pas fait exprès parce que je connaissais pas les colis. Mais celui-là, c'est celui-là que je vais apprécier le plus. Oh, bien sûr, je vous laisse, hein. Et le temps de faire le déballage, hein, bien sûr, comme d'hab. Ah, ça y est, ça s'amuse. Alors, regardez un peu. J'ai chaud. J'ai chaud. Ah, vous allez, on veut rigoler un petit peu. Allez, on va rigoler un petit peu. C'est lequel, Jérôme, que t'avais aimé? C'est quoi ça? Donc voilà à quoi je ressemblais si je serais une transsexuelle. J'arrive pas à trouver Jérôme, cela qu'on avait fait ce week-end. Je sais pas. Non, là c'est nul. Bon allez, revenons. On va revenir. Comment on fait pour tourner? Voilà. Hop. Ton live devenu du cinéma, on regarde avec la famille. Non, sérieusement, tu regardes en famille? Le dernier colis, le Renault 4. Le Renault 4 Pro. J'ai chaud, j'ai très chaud. Allez. Ah, vous savez que le confinement, ça a du bon, regardez. Je me coupe moi-même les cheveux. C'est pas top ça? Le chinois fait nourrir. Ouais, mais le chinois, je trouve pas. Je trouve pas, je sais pas, c'est pas les mêmes filtres que chez toi. Y a pas le chinois, y a le lapin. Non, y a pas le chinois. Il y a des trucs bizarres. Alors peut-être qu'avec l'appareil photo, parce que toi c'était l'appareil photo arrière. Là, c'est sur l'appareil photo avant. Non, y a pas le chinois. Il y a que des trucs nuls. Voilà. C'est pas grave. Alors j'en étais où au niveau des commentaires? Le Renault 4 Pro, ouais, c'est le Renault 4 Pro. Le chinois, mais c'est bizarre. Le chinois, alors il est peut-être là. Le chinois, non, il n'y a pas de chinois. Il est mort. Je comprends pas. Ils y sont pas. C'est quoi cela qu'on avait fait ensemble, Jérôme? Il n'y en a aucun là. Ah, c'est là. J'ai trouvé le chinois.
C'était les Chinois. Bon, c'est plus marrant avec Jérôme. Là, tout seul, de suite, c'est déjà beaucoup moins marrant. Mais on va continuer avec le prochain téléphone qui est sur la table derrière moi, qui est le Renault 4 Pro. Un petit téléphone qui vient directement de mon pays et on va le déballer de suite. Alors, fil nourrir, temps virtuel, le chinois c'est fait des filtres, c'est des filtres marseillais. Non, mais j'ai trouvé le chinois. J'ai pas retrouvé d'Alal Bigoudi, mais j'ai retrouvé le chinois. Exact, filtre marseillais, merci. Voilà, Ludo, au moins tu as eu ce que tu voulais à votre service. Combien de temps que je filme là? J'ai chaud. 36 minutes. Le petit chargeur et là, pour l'instant je l'ai pas entendu, elle dort. Elle dort à côté du chihuahua parce que je suis parti en vacances sans chien et je suis revenu avec un chihuahua. Bon, on l'a pas acheté en vacances, mais bon, je me suis fait c'est comme ça. J'ai dû succomber, j'ai dû accepter. C'était Ben, j'ai pris le petit chien possible. Le Renault 4 Pro. Alors, je sais ce que vous allez dire. Renault 4 Pro, Renault 3 Pro, ils ont à peu près, ils sont sortis à quelques mois d'intervalle, je crois 4 ou 5 mois. Et ils sont pas trop différents l'un de l'autre. Hein. C'est presque les mêmes. On va dire que il a la charge rapide 65 watts. Ils ont une petite amélioration en photo. Mais sinon, on a le même processeur, on a presque pareil. Et c'est sûr que bon, là, ils ont fait du Xiaomi sur le coup. Et mais bon, c'est vrai que c'est un téléphone qui me fait quand même pas mal envie. Alors il y avait plein de couleurs différentes, il y a des verts et tout, il y a vraiment plein de couleurs différentes pour ce modèle-là. Et j'ai pris le bleu, j'aime bien, je reste toujours dans le bleu. Regardez. Alors Yvon va me dire, oui, c'est marqué trop gros, j'aime pas. J'aime pas, c'est trop gros. Ah moi je kiffe. Je kiffe. Je veux être une gonzesse dans l'âme, moi. Avec le triple. On dirait les mignons qui sont accrochés au téléphone. Voilà, plutôt joli. Incurvé. Alors j'aurais bien aimé comparer avec mon Oppo Reno 3 Pro, mais il est en train d'être filmé. Dans les balades, je vais comparer. La boîte est belle. Ouais, il y a un appareil photo arrière, à mon avis. Ils ont pris, parce qu'en fait, dans le 4, il y avait un macro et un grand angle. Et en fait, maintenant, le grand angle fait aussi le macro. Du coup, ils ont pris le grand angle, ils en ont fait un macro. Un appareil photo macro, hein. Pas un macro, pas macro macro, hein. Celui-là qui s'occupe des péripatéticiennes. Voilà. L'arrière est moins joli au niveau des APN. C'est différent. Moi, je sais pas, ça me choque pas. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais j'ai pas mal de lag. Non, pourtant, je suis en Bouygues. Est-ce que vous avez des lags vous aussi? La vache, il est beau, j'aime pas l'arrière. J'aime pas l'arrière. J'aime pas le regard du téléphone, je préfère l'avant, j'aime pas le regard. Non, 3 APN, regarde. Alors, attends, ça c'est quoi ça? Alors, on va compter pour Jérôme. 1, 2 et 3. 3 appareils photo. Là, je sais pas ce que c'est. Là, c'est un flash. Ouais, plutôt joli. Le tout petit? Non, mais il n'y a rien dans le petit, là. Il n'y a rien dans le petit, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Te fous pas de moi, mais. Ben si, si. Ça fait 2 fois. Regarde, il est trop beau, arrête, regarde. Tu ne verrais pas ça? Avec le vernis de même couleur. T'imagines, je mettrais du vernis au-dessus. Avec la même couleur, je serais 3 sorties, ouais. Alors, j'en étais où? J'aime pas l'arrière, la vache, il est beau. Non, des lags, est-ce que vous avez des lags? Moi, pas trop. Enfin, moi, c'est normal. Il est beau, ça va. 4 APN, non, tout petit. Te fous pas de moi. Il est magnifique avec des APN qui ressortent et la marque Renault. C'est vrai qu'il est beau. Ils ont fait fort. Non, ça capte bien. Il est beau en plein dégradé. GG, PK, regarde. Et t'es arrivé à la fin. À la fin, regarde, regarde. Oh, GG, regarde. 1, 2, 3. Hop. 4, 5, 6. T'as raté 6 téléphones. Et. Les écouteurs. Bonsoir, GG.
Ouais, il dépasse. Après, sur tous les téléphones maintenant, il dépasse pas mal. Là, ils ont fait un truc un peu design ou une petite plaque. Et après, ça dépasse. Le petit rond plutôt sympa. Après, la marque, la gamme Renault, c'est une gamme qui est faite un peu pour la jeunesse. C'est une gamme design. Oui, c'est un peu des téléphones un peu bijoux. Voilà. Tu serais toute mimi avec ton vernis. Ouais, mais t'imagines le vernis, même couleur que ça. Vraiment classe. Hein. Bah bravo, lol. Voilà. Bravo, GG. T'es prêt pour regarder en replay? T'as raté tout ce qu'il fallait rater. Voilà, donc on a fini avec 11 personnes en live. J'espère que ça vous a plu. Apparemment, l'heure ne nous a pas trop dérangé. Donc au pire, pour gagner du temps, on fera peut-être maintenant les téléphones à cette heure-là. J'ai l'embarras du choix avec tous ces bons téléphones. Ouais, et voilà. Et là, il y a encore un colis qui doit arriver. Dedans, il y a un Renault 4 Pro, non, Renault 3 Pro pour ma femme, un autre, un deuxième, MI10 en version chinoise. Alors lui au début c'était pour mon frère, mais il a chipoté un peu, je vais garder son MI9, donc du coup ben, on le revendra. Et Oppo Find X2 qui sera lui pour moi. Et non, on n'a toujours pas gagné l'auto, sinon on ferait pas des vidéos sur YouTube, tout simplement. Voilà, c'est tout. À part ça, des questions ou pas? Les photos sont ouf. Les photos sont ouf. Les photos de quoi? Moi je bosse avant, donc top l'horaire. Moi aussi, je finis à 21h. Donc du coup, j'étais là à 21h30, au temps de manger. Hop, je me suis mis calé directement à faire ça. Ah, je vais vous tester aussi ces petites caméras là-bas là. J'en ai deux. J'en ai une en bas qui est déjà installée depuis 2 mois. Et elle est encore emballée. Et en fait, je vais faire le test. Mais pour ça, j'ai besoin de ma fille. Ça, c'est le top. Vous allez voir, vous allez adorer. Et voilà. Et bon, maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, ben après, je vais peut-être vous laisser tranquille, passer une bonne soirée, qu'il est déjà 11h15. Et oui, là, on n'a pas dérangé parce que demain, on ne travaille pas, je comprends. Ouais, bon, apparemment, c'est plus simple pour tout le monde. Maintenant, si encore on travaille le lendemain, c'est sûr qu'il y en a qui seront peut-être pas là parce qu'à 10h30, ça fait peut-être un peu tard. Du coup, ben, quelle heure il est là? Il est 11h15. Je vais vous laisser si vous n'avez pas d'autres questions. Vous savez comment nous parler si vous voulez nous envoyer des messages, hein, vous savez qu'on est là pour vous répondre. Et je vais commencer de suite à faire quelques déballages. Si j'ai la foi, je fais les 6 d'un coup d'affilée. Sinon, ben, je finirai demain. Voilà, comme ça, demain, je passe un petit jour férié, plutôt pépère tranquille, à la maison, à la plage. Ah, pareil, au top pour l'heure. Vous recevez combien de téléphones en moyenne par colis? Ben là, deux. Deux. Là, un, deux, ça dépend. Mais c'est pas tous, hein. C'est juste que là, en fait, on prend tout ce qu'il y a sur Trading Shenzhen. Tout ce qui sort maintenant, dès qu'il y a un truc, il nous envoie, il dit, hop, j'ai rentré ça, hop, on prend. Du coup, ben, quand il y en a quatre, on fait deux et deux. On fait deux chacun, entre moi et Jérôme. Alors, vous saurez combien de téléphones en moyenne par colis? Tu veux une salade landaise? Ouais, avec des œufs. Mais pas un œuf ou deux, juste un plateau d'œufs. D'ailleurs, t'en as fait quoi tes œufs? T'en as fait quoi de tes œufs? Jérôme, il m'a invité à manger. Il y avait un plateau comme as. Il y avait au moins une vingtaine d'œufs dessus coupés en deux, ma mimosa. J'ai dit, du coup, de faire quoi avec? Tu veux qu'on se les jette dessus après? Ou sinon, peut-être que t'as invité le quartier entier derrière pour manger des œufs. Ça va, j'ai pas trop pété au retour. Ma femme, elle m'a pas tué dans la voiture. Les photos des Oppo. Ouais, les Oppo en photo. Ben celui-là. Dans celui-là, il y a la nouvelle version de ColorOS et ils ont amélioré la photo en vidéo de nuit. Apparemment, il y a un nouveau truc qu'ils ont sorti pour filmer de nuit. C'est pas des téléphones bas de gamme, ça. C'est des téléphones qui sont super design, super poussés sur la photo. Et par contre, voilà, niveau processeur, ils mettent un processeur milieu de gamme dedans. Salut, moi je serais intéressé par un téléphone, mais je suis chez Free. L'encart. T'es chez Free. Eh ben, Léonore. Il est où? Il est là-bas derrière. Honor, il a la B20 et la B28. Toi, il te faut un téléphone avec B28. Et ou tu changes d'opérateur, ou tu prends un téléphone avec B28. Là, avec B28, il n'y en a qu'un, c'est le Honor 30 Pro. Avec plein d'œufs, voilà. Yes, bonne soirée aussi. Salut Jérôme, bonne soirée. Salut. J'ai tout mangé. T'es sérieux? T'as mangé tous les œufs qu'il y avait dans le plateau? Et le soir, t'as fait quoi? T'as fait un récital? Non, t'as dormi dans le jardin, c'est pas possible. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Hein? Et moi, je vais me mettre à bosser, histoire de vous préparer de belles vidéos pour vous les mettre en ligne le plus tôt possible. Allez, ciao ciao à tous.